Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie et met sa confiance dans l'homme, qui prend la chair faible et déficiente pour son appui, et qui détourne son cœur et sa pensée de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Donc, il me semble que ceux qui mettent leur confiance dans les gens, le monde, même aujourd'hui, ils disent, ils doivent faire quelque chose à ce propos. Qui sont ces îles Ils doivent tout réparer et nous ne savons même pas qui sont ces îles. Nous sommes ces gens. Amen. Nous sommes ceux. Qui sont censés réparer les choses. Nous nous tournons trop vers le gouvernement, nous comptons trop sur eux pour pourvoir à nos besoins et nous devons ouvrir nos yeux. Les gens vous décevront. Quelqu'un peut-il dire Amen à cela? Les gens vous décevront. Vous allez vous décevoir vous-même si vous comptez sur vous-même. Mais Dieu a dit, si vous me suivez, vous ne serez jamais déçus. Cela ne signifie pas que... Vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez tout le temps, mais vous obtiendrez ce qui est le meilleur et ce qui est bon. Donc, voilà l'avenir de l'homme qui place toute sa confiance dans le système du monde. Béni avec la sécurité spirituelle soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance et l'attente confiante. Cet homme-là est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse il n'a point de crainte et ne sera point en peine et il ne cesse de porter du fruit maintenant j'aime cette écriture j'ai appris cette écriture quand un pasteur que j'ai connu au début de ma marche avec Dieu l'a beaucoup utilisé et nous devons comprendre qu'un arbre, ses branches peuvent grandir seulement autant que ses racines sont profondes. Donc, nous devons être profondément ancrés dans ce que nous croyons sur Dieu. La Bible dit que nous devons être enracinés dans le Christ Jésus, profondément enracinés dans son amour pour nous. Lorsque vous avez des racines profondes, les tempêtes de la vie ne vous renversent pas. Une petite branche d'arbre dans la cour peut être détruite lors de la tempête, mais nous avons dans notre jardin des arbres géants qui sont là depuis des centaines d'années et ils ne bougent pas, même quand la tempête est sévère. Ils ne bougent pas car ils ont des racines très profondes, mais ce que beaucoup de gens veulent, c'est beaucoup de fruits dans leur vie. Ils veulent beaucoup de choses, ils veulent beaucoup d'opportunités, ils veulent être quelqu'un de célèbre, gagner beaucoup d'argent et avoir un tas de choses. Ils veulent ce genre de fruits, mais ils ne portent pas le bon type de fruits. Ils courent après des choses qui ne leur permettent pas vraiment de rester heureux en permanence. Et donc, j'aime cette écriture qu'un arbre qui est planté en Dieu, profondément enraciné en Dieu, et je pense que nous devons aller plus en profondeur. Plus. J'ai commencé une série de livres. Les deux premiers seront publiés le printemps prochain. Et ce sont des commentaires bibliques. En commençant par les épîtres. Et je verrai ensuite où j'irai à partir de là. Parce que je ne veux plus dire aux gens lisez vos Bibles. Je dis d'étudier vos Bibles. Nous devons être plus profondément enracinés dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de la connaître au point qu'aucune tempête dans notre vie ne puisse nous l'enlever. Amen. Ne dites jamais, quand les choses vont mal pour vous, Dieu ne m'aime-tu pas Ouvrez la bouche et dites au diable, Dieu m'aime et je vais en sortir, je vais en sortir de l'autre côté et ça va bien se terminer. nous avons tous des tempêtes dans la vie vous n'allez pas vivre et avoir une vie parfaite et ne jamais avoir de problèmes mais nous voulons grandir jusqu'à ce que même pendant les pires moments de notre vie nous sommes si profondément plantés en dieu que nous pouvons toujours porter de bons fruits